Yo la famille, ça va ou quoi? Moi, tranquillou, la banane. J'espère que vous allez bien. Donc on est là, on se retrouve. Petite vidéo sur Red Dead. Comme vous avez l'habitude, sur Red Dead, j'en vois que des secrets ou alors des astuces. Et ben là, celle-ci, c'est encore un petit secret, les amis. Donc si vous voulez m'ajouter sur Instagram pour me parler de vos secrets, il n'y a pas de souci, les potos. En tout cas, je remercie Wami de la Familia qui m'en a donné pas mal. Donc le secret d'aujourd'hui, les amis, c'est une grotte avec une personne bizarre dedans. Une personne qui vit dans une grotte et personnellement je sais pas qu'est ce qu'il fait là et il est quand même étrange. Donc je vais vous faire voir la localisation comme d'habitude en fin de vidéo. Là on y va. Donc vous m'avez dit de mettre en première personne, vous m'avez conseillé quand je fais des vidéos secrets. Donc on va se mettre en première personne. La grotte en question elle est là. Voilà, c'est parti les amis. N'importe quelle heure vous pouvez y aller, normalement tout se passe. Mais comme on dit, c'est qu'une seule fois. Vous pouvez perdre, tourner deux fois. Hop. On va prendre la lampe. En plus, ça marche. Alors, une petite grotte, les amis. C'est quand même bizarre, hein. Red Dead, c'est rempli, rempli, rempli de trucs bizarres. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans la grotte. On y pénètre comme ça. Et hop. Quand on arrive dedans, on voit que c'est à moitié habité quoi. Enfin en tout cas il y a de la lumière. Il y a des passages souterrains avec des ponts. Donc là dedans, quand vous voyez, il n'y a rien pour descendre. Ça va être des pics en pierre. Bon bah il n'y a que un passage pour l'instant. Là-haut il y a une échelle mais elle a l'air d'être tombée. Et là. Ah non là c'est le vide. Donc on va passer par là. Ça se voit que c'est habité hein, sinon il n'y aurait pas de lumière ni rien les amis. Tu te dis que si tu peux rentrer dans toutes les grottes comme ça dans Red Dead, bah t'as pas fini. Hein. Oh, j'entendais un bruit bizarre. Ça fait... Faudrait que j'arrive à bien régler le son pour que vous puissiez entendre ce que j'entends bien. Oh là là, une petite lumière avec des petites écritures. Voilà les frères. Un cerf. Un bonhomme, un grand bonhomme. On dirait qu'il fait voir un autre bonhomme. Mais il y en a un qui a un pic dans le cul. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait une vidéo avant-hier sur un rituel païen. Peut-être que c'est ça. Rituel païen. Quelqu'un avec un crâne dans la tête. On dirait dirigé par un grand bonhomme. Là, du sang, du sang. Est-ce que ce serait lui qui serait la cause de tous les rituels? Là vous avez une petite grotte mais vous avez vu cul-de-sac. Du sang partout. Une petite échelle, on va essayer de l'emprunter. Encore de la lumière, hein, comme quoi que ça a vraiment, vraiment, vraiment habité. Voilà la grotte. Il y a une voix. Faites donc demi-tour et retournez vers la lumière. La lumière, elle est là. Pourriez-vous sortir de ma grotte? Oh c'est bon. Tu me demandes d'aller à la lumière, après tu veux que je sorte. Trouvez-vous une autre grotte? Il y a des choses méchantes et des gens mauvais ici. Et je ne parle pas de vous. Je suis le diable.
Ah, il y a quelqu'un. Donc il se dit être le diable. Il parle pas. Chelou. Ah si. Je suis mauvais, partez, je ne veux pas de vous ici. J'ai préparé mon assaut parce que je sens qu'il va se barrer et on va essayer de le choper. Tic, il fait demi-tour. Ah, je peux lui parler. Oh purée, va, j'ai merdé. Oh là là. Ah, j'ai... Au revoir. Oh, puis il me nargue. Ah, j'ai pas été assez rapide, les amis. Tu te sac. Et c'est sûr que tu vas pas pouvoir y monter. Attends, la lumière a m'ébloui un peu, façon de parler. Je vois pas trop bien. Le contraste et tout. Il est là-haut. Comment je pourrais monter là-haut? À mon avis, tu peux pas y monter, les amis. Enfoiré. Ah, j'ai merdé avec mon lasso. Là, je viens d'aller sur un cul-de-sac. Ça, c'est la sortie. Oh, papa. J'essaie 2 secondes devant vous, les poteaux. Voir si je peux monter un peu sur le pic, là. J'essaie de taper une pointe. Ah non, il veut pas. Ça va être très dur de monter, les amis. Il va falloir trouver une petite soluce. Il veut pas, il veut pas. Je vais essayer un petit dernier essai et après on arrête, les amis. Parce que de base, c'est je vous fais un secret. Si vous arrivez à trouver une astuce pour monter, les amis, je suis directement preneur. Alors là, je vais essayer que le bonhomme comme ça sera déjà plus facile, peut-être. Mince, attends. Ah. Tac, tac. Faudrait que j'arrive à monter sur le petit pilier là. Je peux pas monter dessus. Si. Non. Si. Mais il ressort direct. Attends, moi je vais voir si je peux faire les deux d'affilée. Peut-être si je monte sur celui-là, je saute. Ah, je crois que je peux trouver une solution, les amis. Sur ce, je vais arrêter. Si j'arrive à trouver une petite solution, je vous fais voir à la fin de vidéo. J'espère que tous les petits secrets Red Dead, ça vous plaît. Je vais essayer de vous faire le tour là-bas, mais vous allez voir, c'est aussi un cul sec. Un cul sec. Un cul sec. Alors là. Un cul de sac. Mais je peux peut-être trouver une solution pour rentrer, en fait. Voilà, parce que vous vous rappelez, je suis venu d'ici. Ouais, voilà, cul-de-sac. Je pense pas que je vais pouvoir... Ouais, regardez, il y a le fond. Il y a un grand vide. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vous remercie tous de faire des petits commentaires. Ça fait plaisir, les amis, sur Red Dead. Je vois que ça a l'air vraiment de plaire. Ah, je peux peut-être monter là-dedans. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'aident à résoudre les énigmes. Surtout Wamu de la Familia qui a réussi à m'expliquer les rituels païens. Parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Merci à vous tous. Et si j'arrive à trouver comment on monte dedans, je vous la mets à la fin de la vidéo. Je vais essayer de trouver... S'il y en a un qui a trouvé, les amis, je suis vraiment preneur. Sur ce, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, ça dépend qui leur regarder la vidéo. Tchuss tchuss la famille.